Bonsoir, chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'idée du gouvernement de créer l'Agence nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire ANAGESA est bonne, mais nécessite quelques mesures d'accompagnement pour qu'elle puisse générer des revenus. C'est l'analyse de Gabriel Fili, président de l'Olicom, et vous aurez les détails au cours de ce journal. Et lors de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire ce vendredi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a appelé le secteur privé à investir dans l'alimentation scolaire pour transformer le système éducatif inclusif et prospère. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, l'idée du gouvernement de créer l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire ANAGESA est bonne, mais nécessite quelques mesures d'accompagnement pour qu'elle puisse générer des revenus. C'est l'analyse de Gabriel Fili, président de l'Olicom, qui trouve qu'il devait y avoir des données statistiques avant la collecte des productions. Le président d'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques se demandent pourquoi cette collecte ne concerne que les grains de maïs secs. Suivez le Gabriel Fili. Depuis l'année passée, ANAGESA collecte seulement les grains de maïs. Mais ici, on doit se poser la question, pourquoi les grains de maïs secs au moment où tous les Burundais savent bien que la principale alimentation des Burundais n'est pas le maïs. Nous savons que c'est le haricot qui vient en premier lieu. Mais pourquoi la collecte des haricots n'est pas au rendez-vous? Donc pour moi, je pense qu'il y a un agenda qui est derrière qu'on ne connaît pas encore. Mais aussi, comme je le disais tantôt, c'est la conception même de l'idée qui a fait fausse route. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'émission d'ANAGESA, il devait y avoir la collecte des données, donc des chiffres, les statistiques des bouches à nourrir, des populations à nourrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la production, l'évaluation de la production par saison. Et si réellement la production est abondante, c'est-à-dire que le gouvernement devait envisager l'exportation. Si la production n'est pas abondante, il y a plusieurs aléas, plus particulièrement climatiques, c'est à ce niveau-là que le gouvernement devait aussi envisager l'importation des produits manquants. Mais, malheureusement, quand on regarde l'émission d'ANAGESA, il ne figure pas ces chiffres que je viens de donner, la collecte de ces chiffres, l'analyse de ces chiffres, et faire suite à ces chiffres. Donc, ANAGESA n'a pas ses missions. Raison pour laquelle, pour l'Olicom, cette politique de collecte de ces produits vivriers, l'Olicom la considère comme la politique de plantation des plants fruitiers, la politique du charroi zéro, la politique de privatisation du secteur café, la politique des coopératives. Toutes ces politiques en soi, ce sont des bonnes idées vraiment. Mais la manière dont ces politiques ont été conçues, ça ne produit pas vraiment des résultats escomptés. Le Burundi compte augmenter la couverture du programme national de l'alimentation scolaire à 100% d'ici 2032, au moment où les écoliers bénéficiaires de ce programme sont à 24% aujourd'hui. Lors de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire ce vendredi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a appelé le secteur privé à investir dans l'alimentation scolaire pour transformer le système éducatif inclusif et prospère, Lydie Gahimbaye.
Des différentes délégations présentes dans les cérémonies de la célébration de la 9e journée africaine de l'alimentation scolaire ont partagé des expériences sur les bienfaits de l'alimentation scolaire, surtout l'éducation scolaire dans leur propre pays. Pour le Burundi, selon le rapport de l'éducation nationale, le programme de l'alimentation scolaire a poussé à l'augmentation du taux de réussite jusqu'à 5,1%. Et la diminution du taux d'abandon scolaire à 3,6% par rapport à la moyenne nationale, comme l'a indiqué Évariste Ndayishimiye, président de la République. L'étude révèle que les écoles dotées de cantines enregistrent une augmentation de 5,1% de taux de réussite et une diminution de 3,6% des taux d'abandon par rapport à la moyenne nationale. De surcroît, l'alimentation scolaire au Burundi se révèle comme un levier important pour l'atteinte des objectifs nationaux, continentaux et mondiaux, à savoir la vision du Burundi d'ici 2060, la stratégie continentale de l'éducation à travers son objectif stratégique 4, ainsi qu'aux objectifs pour le développement durable, particulièrement l'ODD 1 relatif à l'éradication de la pauvreté, l'ODD 3 relatif à la bonne santé et au bien-être, l'ODD 4 relatif à l'éducation de qualité et l'ODD 8 à la croissance économique. Pour ce faire, le numéro 1 burundais a précisé que le Burundi compte faire une couverture universelle d'ici 2032. C'est dans cet esprit que le Burundi s'est fixé l'objectif d'atteindre la couverture universelle de l'alimentation scolaire pour les écoles à cycle scolaire et fondamental d'ici 2030. Nous prévoyons d'impliquer le secteur privé dans ce programme. Un des scénarios étant de les faire participer dans la mise en place des dortoirs et des restaurants dans les écoles postes fondamentales et à travers un partenariat gagnant-gagnant, les impliquer dans la fourniture d'une bonne alimentation moyennant des tickets à un prix abordable pour les volontaires. Dans le cadre d'appuyer ce programme, le gouvernement du Burundi a augmenté le budget alloué au secteur de l'éducation allant de 4,8 aux 12,5 milliards au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024. 42 pays sur 54 de toute l'Afrique exécutent le programme de l'alimentation scolaire. La considération du critère des quotas provinciaux dans la section des lauréats de l'examen d'État à orienter dans la faculté de médecine ne devrait pas être priorisée. C'est l'analyse du psychopédagogue Pierre Claver Kanabadze après que le conseil des ministres tenu au cours de ce mois ait adopté une note irrelative. Il explique que l'application de ce critère est lourde des conséquences, entre autres l'accumulation des échecs, la perte des moyens financiers et la démotivation des étudiants. Il rappelle que l'éducation revêt le caractère national. Suivez-le. Vous savez que la vie d'une personne humaine est sacrée, n'est-ce pas? Pour alors avoir des médecins compétents, des médecins même, on doit recruter des étudiants capables de suivre cette formation. C'est pourquoi alors, moi je dirais qu'il faut être un peu prudent quand on dit qu'il faut introduire des quotas. Et par ailleurs, l'éducation est nationale. Le vocable national cache beaucoup de choses. En matière éducative, le vocable national signifie qu'en apprenant, peut se faire inscrire dans toute école implantée sur le territoire du Burundi, comme après études, il est prêt à travailler, à être affecté sur « je peux être natif de Muramvya et aller étudier à Muyinga ». Je peux aller être au stade de la mairie et étudier et à Karouzi. Alors même, regardez aujourd'hui comment un enseignant ne prête jamais
en regardant l'origine des élèves. Comme le médecin dans son cabinet ne soigne pas le patient en provenance de son origine. Donc, vous voyez que vraiment, personnellement, je vois que cette mesure de considérer les quotas n'est pas propice au niveau des écoles, et en particulier à la faculté de la médecine, en faculté hors de commun. La première conséquence qui risque d'y avoir, c'est l'enregistrement des échecs massifs en bac 1 dans la faculté de médecine. En fait, l'étudiant risque d'échouer massivement parce que, n'ayant pas respecté le principe qui stipule l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. La deuxième conséquence, le redoublement et les abandons coûtent trop cher à l'État. Et en redoublant, occupe une place qu'un autre étudiant méritant aurait occupée. La troisième conséquence qu'il peut y avoir, c'est le sentiment d'injustice qui peut s'installer chez certains étudiants qui se sont vus à ceux qui ont été retenus suite à ce système de quotas. Ces étudiants peuvent éprouver un sentiment d'injustice et avoir une démotivation et même pas poursuivre les études supérieures. Ce psychopédagogue estime que le gouvernement devrait concentrer ses efforts dans les localités qui prennent plusieurs défis en termes des ressources humaines, matérielles et financières pour qu'il y ait de l'équité par rapport à l'entrée dans la faculté de médecine. Il trouve en outre que le gouvernement devrait privilégier la discrimination positive en accordant des avantages à certaines écoles compte tenu de leur catégorie d'appartenance. Écoutez-les encore. Première chose à faire au niveau du gouvernement, accorder ressources humaines, matérielles et financières à ces écoles où on constate qu'il y a une certaine lacune. Des enseignants à nombre suffisant et qualifié, je parle des manuels scolaires, je parle même des effectifs au niveau des écoles. On trouve ici une classe qui a 50 élèves, et on trouve dans notre école 150 élèves. Mais, cela étant, dans toutes les provinces, il faut commencer à la base. Parce que l'éducation remonte de la base. On peut constater qu'au cours de l'année, quelques écoles ont connu des difficultés. À ce niveau, pour appliquer l'équité, il faut appliquer ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive, c'est tenter d'accorder des avantages, n'est-ce pas, à certains apprenants, afin qu'ils puissent suivre, n'est-ce pas, les enseignements d'apprentissage comme les autres. Et concrètement, au concours, si on fixe le pourcentage d'aller à la médecine 70%, ce pourcentage peut s'appliquer au lauréat des écoles d'excellence. Les élèves ayant poursuivi les études dans les lycées publics, on peut appliquer 68%. Et les élèves ayant évolué dans les lycées communaux ou municipaux, on peut appliquer le pourcentage de 65%. Ça, c'est la discrimination positive qui est permise, qui aboutit à l'équité. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que ce principe pourrait être appliqué au Burundi. Dans le temps, on l'appliquait au niveau du concours national. Et pour encourager les filles, n'est-ce pas, de fréquenter les écoles secondaires, on fixait le pourcentage légèrement moins à ceux des garçons. Il y a de cela 5 ans, l'artiste Bruno Simbavimbere, surnommé Mimba, quittait ce monde. Il est connu pour son dévouement à la cause des artistes et musiciens burundais et aura dirigé l'amicale des musiciens du Burundi. La radio-télévision Sanganiro reconnaît sa grande contribution dans l'organisation de la compétition annuelle Sanganiro Award depuis ses débuts jusqu'à sa disparition. Notre chroniqueur culturel, Christian Xavier, revient sur son parcours. Bruno Simbavimbere, connu sous le pseudonyme de Memba, a commencé à jouer à la batterie dès l'âge de 16 ans.
Son premier orchestre fut Mihigo des Grands Lacs avec l'artiste Baga, puis Amabano avec les grands de l'époque comme Africa Nova, Chanjo Amis et les autres. Memba était membre du Chemeza Music, un groupe gospel. Il a aussi fait partie d'un grand orchestre des débuts des années 2000, Lion Band, qui jouait de la musique reggae pour la réconciliation et la paix dans la ville de Bujumbura et ailleurs. Il a été président de l'amicale des musiciens du Burundi pendant plusieurs années. Memba était proche de la grande compétition organisée par la radio Isanganiro, Isanganiro Award. Ici, il s'exprime sur l'évolution de la musique burundaise. Alors, c'était vraiment l'époque où, après Mabano, comme un grand orchestre du pays, après la crise Mutima, l'orchestre Emigo de Grand Lac, c'était des musiciens qui habitaient du côté du nord, c'était de Kamenge et Kinama. Ils avaient leur style à eux, le goût de la musique. Bon, quand vous attendez les musiciens du Congo, ils ont un style à eux. Alors, le goût de la musique, ça a été une révélation. Ça, tout le monde se demandait le goût de la musique, goût de la musique. Memba a rendu l'âme le 1er mars 2019, suite aux blessures sur la tête causées par les malfaiteurs qui l'ont attaqué en rentrant à son domicile. La radio-télévision Isanganiro réitère ses condoléances aux artistes et musiciens burundais et à sa famille biologique. Et merci à notre chroniqueur culturel Christian Savier. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.